Salut tout le monde, c'est Darkno. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Ezreal, de Glace. Pas du tout, je vous gueule dans les oreilles de manière incommensurable. Et d'ailleurs, ça aussi, ça me gueule dans les oreilles, ça ne va pas du tout. On jouait à la demande de Mamadou du 9-1, non, pas du tout. Non, à la demande de Sky Titom, qui m'a demandé un petit tutoriel sur Ezreal après mon tuto sur Jax il y a un moment. Je sais plus quand. Bref. Et donc, ce n'est pas un perso que je main particulièrement. On peut le voir sur mes ranked où je fais du 0-7-1, je crois. Excusez-moi, je fais quelque chose d'autre à côté. Ça y est, je suis là. Voilà. Donc, c'est pas un perso que je main. Je me vante pas de le jouer bien, hein, je vous préviens. Si vous me dites dans les commentaires, fallait pas que le clip, pour taper le clip, pour taper le mec, hein. Bref. Voilà, hein, je m'en fous. On est parti avec une Zyra, et je trouve que le matchmaking en créateur d'équipe est absolument fabuleux, puisqu'on tombe contre des bronze 5, c'est-à-dire la Akali, et des Vanden Rocket, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils sont. Mais... déjà, les bronze 5, ça aide beaucoup à gagner. Et par contre, je freeze as fuck. Du coup, ça va peut-être être compliqué de farmer. Ce n'est pas très... ce n'est pas grave. Pute ! Putain, mais quel triso. Ouais, bah, hein, tu m'as piqué un creep. Maintenant, tu me laisses farm et tu fais pas chier. Qu'est-ce que t'as, toi ? Vas-y. Donc, moi, je joue Ez Manamune. Hein, donc, ça dérange. Vous pouvez quitter ce stream. Merci, le creep de t'être mis devant moi. C'est vraiment plaisant. Petit con. Putain, laisse-moi jouer. Je refais une vidéo, là. Pas que j'aime le first blow, sinon c'est chiant. Ça veut dire que t'as un heal. On a conservé le heal. Il faut surtout garder son cam, mettre la petite potion. Et j'ai vu, je me suis déchiré la gueule en ne réfléchissant pas à cette game. Et je rate beaucoup de l'astide gratos et elle me saouler à taper les creeps. Ok, d'accord. C'est chiant de tomber contre des bronze 5, mais c'est chiant de tomber avec des bronze 5 aussi. Et je me suis pris une vieille flèche. Donc du coup, c'est peut-être moi le bronze 5. Chut, faut pas le dire, je suis gold 2, j'ai monté. J'ai monté ou je suis monté? Bref, c'est mieux qu'avant. Ah, je rame à mort. On a un vieux stun des familles de Taric, là. Pourquoi les gens jouent ce perso gay? Vas-y, démerde-toi avec lui. Ça m'a saoulé. C'est trop petit comme perso. Ça te met un stun à le bout de la main. Vas-y! Ouais, excusez-moi, il y avait un catapulte. Hein. J'aime beaucoup les catapultes. Je prends des pocs gratos pour ça. Je veux mon creep. Ok, je l'aurai pas. Je vais voir celui-là, peut-être. Oui. Bon, Ezreal, quand vous prenez la bite, ce qui est souvent en lane, parce que c'est pas un perso que je trouve très fort en lane. D'ailleurs, je sais pas trop quand il est fort. Bon, après, la Trinité, oui, c'est très très fort, mais... bref, voilà. Il était pas farmé au Q et a raté des creeps. Hein. Bon, les rater, vous êtes pas obligé. Mais si vous êtes nul comme moi, vous pouvez les rater, vous inquiétez pas. Vous êtes obligé de farmer au Q parce qu'ils mettent une pression avec leur perso. Bon. Au pire, moi je préfère faire sur tout de toute façon, ça tombe plutôt bien. Et genre je prends ça, perso de merde. Ah c'est nul, mais qu'est-ce que c'est chiant, Varus. Ah allez. Par quoi le clip? Et boum. Et j'ai raté. Ah je savais. Et j'ai encore raté. Et là ça va être la merde. Non, c'est bon. C'est ok. Ok, j'ai ça, c'est parfait. Oh là là, enfin meilleur jeu. Bon, si Varus a moins de farm que moi, je pense que je peux le report à la fin de la game. Et je n'ai pas de mana, je peux te mettre un Q. Hop, ça... bon, phase de lane avec Ezreal très... très particulière, hein, surtout dans cette game. Bon. Je pense que je vais back, en fait. Je me fais chier, là, et en plus j'ai 0 IPS, peut-être que je relance le record. J'ai 0 IPS, non, ça c'est normal. Allez, on last it. Genre, ça frisote, c'est chiant. Non, ça fait pas ça, là. Faut que j'ai des records, ça fait pas ça. J'ai même pas les frisottes. J'ai raté des élastiques gratos, ça pense fait flame. Il y a combien l'autre? 25, je suis à 32. Quoi? Mais c'est une... voilà, quand je disais, hein, le matchmaking, quand on est rentré en créateur d'équipe, hein, il pue la merde en face. Comment on peut avoir si peu de sbires? Alors oui, tu me poques, c'est cool, mais tant que tu me tues pas, ça sert à rien. Ah, on part sur le meurtre, du coup. Non, on part sur rien du tout. Là. On part sur une nullité, là. Alors c'était dingue Tariq, hein. Tu peux revenir, tu m'as fait rater 3 creeps, mais bon, pour ce que t'as pris, mets encore un Q, et non, t'es nul. Bon, c'est pas farm, mais c'est pas mettre des Q, bon, il y a un moment, il sait plus rien faire, quoi.
Alors moi faut que je back, je pense que je back maintenant. C'est chiant mais en fait on peut rien faire sur la lane du coup je sais pas l'embêche je m'en fous. moi je vous conseille de back en fait, hein. Quand vous êtes comme ça, là c'est chiant quoi, enfin vous faites rien. Je pense que je vais prendre ça, j'ai pas le choix. Si je prends pas l'arme de la DS maintenant, je pourrais pas faire mana mune, et comme de toute façon on va faire une lane passive parce que je me fais déchirer. Voilà. Alors? Non mais je pense que c'est mieux de prendre l'arme de la DS. En fait, mana mune et l'arme de la DS, c'est un peu situationnel. Là on se fait rape, on n'a pas un avantage certain qu'on pourrait garder. Du coup, quitte à pas avoir l'avantage, autant avoir un gros désavantage et prendre une arme de DS. Alors que quand vous avez un avantage, là vous prenez une brillance, vous allez montrer encore plus vos dégâts, et les mecs vont faire oh my god, what a play. Non mais ils vont prendre trop cher et voilà. Et du coup c'est cool. Et en fait qu'est-ce que j'allais dire? Mais après ce qui est bien, ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai joué à Smash, pourquoi j'ai joué. C'est que quand vous backiez avec 1900 et que vous prenez les deux en fait, brillance et l'arme de Hades, c'est sympathique. Au final vous gardez des dégâts constants grâce à la brillance, enfin des bons dégâts grâce à la brillance. Et en même temps, vous avez un peu de mana et vous chargez la lame de la DS. Il me saoule ce perso. Bah râler l'autre. Putain mais arrête-toi là, j'ai toi une vie. Putain mais toi aussi. Oh putain. Et si vous jouez support ou si vous jouez. D'ailleurs si vous jouez quoi que ce soit. Pensez à désactiver vos attaques auto, c'est vraiment chiant. Enfin si vous jouez à DC encore et que vous aimez bien les attaques auto, donc voilà. Je pense que vous jouez à DC, vous aimez. On va focus le tank. Ah là, la fâche pour rien, c'est cool. C'est plaisir du coup. Voilà, on prend le premier sang. Excusez-moi, je suis concentré. On met un Q-spell. On pourra mettre le deuxième dans 3 secondes. 2, 1. S'il est pas... Ah putain, j'ai l'air s'il est con, il fait pas l'air d'écrire, mais qu'ils sont mis devant. Tout seul. Ok, je voulais l'aider, mais j'ai pas pu. Peut-être avoir le Varus avec un peu de chat. Non. Bon, voilà. Voilà, là j'ai focus le tank. Parce que c'est comme ça. Non parce qu'il a pas beaucoup de vie, que l'autre c'était chiant, voilà. C'était un peu de la merde j'avoue. OFC Shakus. Alors OFC je sais pas ce que c'est bien. Oh fucking Shard. Shard oui, non, Shard ça s'écrit avec un S. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui je parlais de Taric. Ouais bah là Taric en fait au début, il faut sucer le tank ou la DC. Ça change pas grand chose à votre vie en fait. Le tank il tanque que dalle. On a bien vu que le Taric est quand même mort assez vite. Et le Varus au final il faut pas être dégâts donc. En plus ils ont focus Zira. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai dash et heal. Bon après elle a flash comme une grosse retard mais ça c'est pas très grave. J'ai flash et heal. J'ai dash et heal pardon. Pour la soigner parce qu'elle prenait trop la bite. Ça économise un flash quand même, faut y penser. Utilisez jamais le E. Aïe. Pour qu'est-ce que je vais dire? Pour vous rapprocher. Enfin, comment dire. Pour engage par exemple. Là par exemple si je dash in sur le Varus, je vais prendre un stun de l'autre bolos qui est dans le bush en dessous. Et c'est chiant. Voilà, monsieur Sir Draler Flarke Flop Flop. Si je m'étais pris ça mec, je me serais barré. Faut tirer maintenant. Non mon creep. Bah mais non, ça tape pas. Je suis con. Plus beaucoup de mana en fait. J'ai pris une arme de DS pour avoir du mana et j'ai pas de mana. Et là, vous voyez que lui il a une BF. Alors la BF glaive. C'est... ça fait mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas fight. Et si on voit que la Zira fight, pour soigner le KDA, on va courir. Et d'ailleurs, on est obligé de courir, parce que on joue Azreal, et que Azreal, je trouve pas son perso très early. Ah, nice. Un bon route, ça, de la part de... Par contre, faut qu'on arrête de focus lui, hein. Faut que je tape l'autre un peu. Du coup, vous voyez, genre là, je vais pas dash it. De 1, parce que j'ai pas beaucoup de mana, de 2, parce que c'est la merde si je dash. C'est quand même le seul escape de Azreal. Mais c'est déjà bien. Un bon escape même si ça met un peu de temps à se faire. Là je vais prendre le stun, là ça va être chiant. Voilà, essayer de farmer au Q, toujours la même chose, la phase de lane elle est assez simple. Enfin assez simple. Assez répétitive surtout. Si vous pouvez être un poke sans que ça vous dérange trop. Enfin, sans que ça vous dérange. Sans que ça vous coûte trop de mana. Ou alors que vous savez que vous aurez pas kick tout de suite. Ou alors que le mec est vraiment. Enfin si. Vous êtes sûr de toucher surtout. Moi j'étais pas sûr et je l'ai pas eu du coup. C'est sûr le toucher c'est plutôt rentable de mettre un Q-spell dessus. Sinon voilà. Il est à 67 creep, je suis à 72. Bon c'est rattrapeur. Enfin il a rattrapé son... Ah j'ai hâte de parler tout le temps. Du coup je bug. Vous allez m'essayer de concentrer. Puis voilà. Ok. On fait ça. Non j'allais dire... il est qu'à 60... Non il rattrape son retard ça jouait.
Oui, c'est ça. J'ai niqué. Bon. Parce que c'est grave. On va se calmer, ça va mettre un kill là-dessus, là il va me... Ah voilà, on est vite, hop, il va laisser me stun, super, c'était vraiment utile. Puis c'est pas le bon 5, il arrive pas à le tuer vite, quoi. Ah, là je les ai tous. J'ai mis stick, j'en ai aucun, j'ai plus la merde. Franchement, si j'avais pas mis stick, ça serait mieux passé, hein. Bon. Ah non, il y a Rammus. Oh, putain, non, Rammus. Alors pingez quand vous êtes le jungler, s'il vous plaît, pingez. Ah, il était utile, là. Il a été utile. Là, il a payé sa meilleure utilité. Donc là, qu'un ulti au cas où, lui utiliser... Là, faut que tu cours, hein. Là, faut que tu cours, mon ami. Là, faut que tu cours très loin. Bon. Alors, c'était Ward. Alors, trois problèmes du Rammus. Premier problème... il pingue pas. C'est chiant. Après, il va dire, ah, vous avez pas follow. Votre team peut pas follow si elle sait pas que vous êtes là, et là comme moi je regardais pas trop sur la map, j'étais plutôt sur le... en train de me demander qu'est-ce que j'allais acheter. Du coup pinguez quand vous venez, et s'ils viennent pas, insultez-les, hein, voilà. On peut faire ça comme ça. Deuxièmement, demandez si c'est Ward. Normalement si vous pinguez, ils vont vous dire c'est Ward, casse-toi. Bon, vous gagnez du temps, c'est cool. Vous vous faites insulter aussi. Enfin, vous prenez un casse-toi gratos, mais pas très grave. Et troisièmement... Non, c'était utile ce qu'il a fait, mais... Ok, c'était pas dingue ce qu'il a fait Shaco par contre. C'était utile ce qu'il a fait dans le sens où il les a obligés de back en fait. Du coup, enfin, on va dire que c'est parce qu'il a gank et qu'il a obligé de back. Du coup, on va dire que c'est bien ce qu'il a fait. Mais sinon, enfin, il a obligé un heal, etc. C'était pas dégueu. Mais si vous voyez que c'est Wa qui a commencé à reculer, cassez-vous quoi. Ou venez par la lane, enfin, essayez de revenir, mais différemment. Mais enfin, ça sert à rien de rester comme ça à côté en train de la regarder et se barrer quoi. Ça me tient un peu dégueu ça. Oui, je voulais farm, hein. Pas du tout. Ah, moi j'ai E-in parce que de 1 il était roule, de 2 il se prenait ulti, de 3 il allait prendre la bite hein, de toute façon. Ah, là par contre c'est moi qui vais prendre la bite cette fois. Et voilà, vous voyez de quoi je vous parlais. Pas de E. Ah, d'accord, c'est elle qui l'a eu du coup. C'est compliqué mec, hein. Wouhou! Alors le E. Qu'on en parle, que ça fait pas beaucoup de dégâts. Wellplay ? Non, c'est pas moi qui ai tout fait là. J'ai trop fait de la merde, je me suis pris le vieil ulti de Varus là, c'était relou. Bon, bah on gagne notre lane, c'est cool hein. Un peu facile ce jeu quand même. Je peux jouer n'importe quel perso, vous gagnez. Non, pas du tout. Pas du tout. Là je vais me diriger vers une trinité, ça sert à rien de finir la lame de ADS tout de suite. Ça fait du mana super, mais ça convertit pas la paix tout de suite je crois. Ou... Je ne sais plus. En tout cas, je préfère la finir bah, quand c'est fini, en fait. Oui. Allô? C'était obvious. Non, je préfère la finir quand on est à 750. Aide-moi! Aide-moi, trou de balle! Ah, là, elle va me tuer, hein. Bah oui. Elle va russe, hein. Alors, Rammus, je veux dire. Bouge pas, surtout, hein. Démerde-toi. Vas-y, fais ton truc. Mais il est con, hein. Mais mec, mais il est dégueulasse. Mais c'est un animal. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est dégueu. C'est dégueu. Mais quel trou de balle. Aïe, j'ai craqué la mâchoire. Putain, mais il est débile. Rammus, si tu partis des... Des seules personnes qui regardent mes vidéos. Alors tu peux désinstaller ou alors tu peux arrêter de jouer jungle hein, parce que tu peux, enfin je sais pas. Parce que quand tu vois qu'il y a un fight à côté de toi, tu es en train de faire le Drake, tu pourras pas faire tout dire en fait, hein, tu pourras pas finir. Là, tu pourras pas finir. Hein, machin, il y aurait encore 4000 de vie sur 5000. Non, pas du tout. Je sais plus combien il y aura cette vie, mais beaucoup trop de vie par rapport aux dégâts qu'il a. Je traverse les murs apparemment. Je sais pas si vous avez vu ou je sais pas ce que j'ai rêvé. Ah mon Q. Ouais, dit Dupri, mais il est débile. Tu fais quoi là? C'est quoi le problème? Ouais, je push. Hein. And my tower. Oh. T'es con là. Pauvre petit garçon. On s'en prend de la cahier? Non, c'est bon. C'est bon, pire, c'est la botlane, mec. En plus, d'ailleurs, il y a avec eux, en plus. C'est marrant. Mais qu'est-ce qu'il a, lui?
Alors la réflexion d'Azir, c'était dégueulasse, c'était débile. Sa mort était nulle parce qu'il joue contre un bon 5 et il a pas eu raison de mourir. Au moteur, je suis mort, mais les pistes, c'est Akali, quoi. Je reste un ADC, quoi. Le Azir qui dit, what the fuck, bot? Pisse, quoi. On est mort. Ils étaient juste à côté quand ils ont fait le Drake. Please, réfléchis, quoi. Et ma tour, oui. Vous pouvez bien la défendre, ta tour, là, t'inquiète. Ah, là, on est mort. Là, on est pas bien. Bon, c'est bon, elle a réussi à la route, c'est cool. Ça fait taf. Elle a fini l'item. Je suis content qu'elle ait fait cet item-là. C'est-à-dire l'item jaune. Ah, nice, je suis dedans. Je rame. Je suis content qu'elle ait fait l'item jaune de support, parce que je trouve que l'item bleu est pas ouf. Alors, peut-être que je sais pas du tout jouer avec, enfin peut-être que je l'améliore pas assez vite, du coup il est pas, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve pas dingo. Je suis pas beaucoup de thunes. Casse-toi, putain, laisse-moi farm, t'es chiant. Cartez-vous du clone de Shaco pour éviter qu'il vous pète à la gueule aussi. Ça fait des dégâts AP, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Non, il est AD, bah oui, j'ai vu le Kiamat, je sais pas. Il est AD, mais bon. Si jamais c'est quelques dégâts, vous pouvez éviter, hein, n'hésitez pas. Sauf que là, j'en aurais pas eu essayé, si tu veux. J'ai plus beaucoup de vie, ça va être compliqué. En fait, je vais prendre la ward, on esquive le Q-spell de Varus et on the road de plan, pas du tout. On the way again. Ah, on the road again. Ah ouais, sur la route encore, évidemment. Non, mon clip. Ah, nice. Ah oui, et bot de lucidité. Je vous ai posé la question quand je l'ai acheté parce que j'ai pensé à vous expliquer, mais j'ai complètement tapé. Tu vois, là, je vous maîtrise CDR. Parce que pour moi... pas pour moi, comme pour beaucoup, comme des milliards de personnes. La CDR est plus utile que la vitesse d'attaque. Alors, 2-1, parce qu'en fait, on peut back. 2-1, parce que... déjà quand votre passif, quand vous mettez des Q-spell, des Z ou des E, des Uldi, oui tout ça, oui évidemment, vous stackez votre vitesse d'attaque, du coup la vitesse d'attaque n'est pas très utile, là je pourrais vendre ma dague pour FM, du coup la vitesse d'attaque est pas ouf, et parce que vous tapez au Q-spell en fait en fight, vous tapez pas, vous pokez au Q-spell, quand vous fightez, vous êtes attaqué au Q-spell, etc. Enfin bref, vous êtes souvent sur le Q-spell, du coup vous avez pas trop besoin de votre attaque auto. Et j'ai raté le clip comme une grosse merde parce que j'en suis une. J'ai voulu tout mettre, c'était de la merde parce que de 1 elle s'est barrée et de 2 il y a l'autre qui est arrivé. C'est pour ça qu'elle avait go en fait. Elle avait cage, le taré qui est arrivé mais il était un peu loin. Ah il y a Kali par contre. Oh, nice SS mid. Petit con, hein. Nice Azir. What the fuck, mid. Cassé. Et mais t'as cassé les coups. Ah. Je suis pas rentré dans le bush. J'ai peur de la Akali. Akali, alors c'est bon. Akali c'est fort. Hein. Ils ont beau l'avoir nerf, je trouve ça super fort comme personnage. Je trouve pas qu'il ait pris un si gros nerf que ça, finalement. En fait j'ai arrêté de la jouer parce que je l'aime pas du tout maintenant, enfin je trouve que c'est tout pourri. Mais ça fait quand même des dégâts hein. Voilà, il va recommencer à... Ok, mort, dommage. Elle aurait touché, après peut-être que c'était juste pour la plante qu'elle faisait ça. Mais elle aurait touché, je serais allé. Là vous voyez, en fait, là ils peuvent avoir un avantage sur la lane. Parce que déjà, parce que j'ai commencé par... Enfin au début ils avaient la BT et tout, enfin la BF, pardon. Là ils doivent avoir une Trinite, épée divine. Ah d'accord, nickel, ça tape le clip. Enfin, il y avait un clip devant, j'avais pas vu. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ils ont commencé BF, et moi j'ai commencé l'arme de la DS. Et là, c'était leur moment de gloire. Mon heure de gloire. Comme dirait je sais plus qui, dans... Un clochard dans... Dans les Simpsons. Parce que... Allô? Parce qu'ils avaient beaucoup de dégâts, et moi non. Et du coup, ils auraient pu juste me découper en deux. Mais ils l'ont pas fait et du coup maintenant bah c'est la merde pour eux en fait. En vrai. Et en vrai là ça va être la merde pour moi en fait. Ouais là il allait me mettre un stun, hein. Il m'a flashing et tout, il était méga ZF. Par contre leur amuse c'est parti. Leur amuse fait sa game. Ah ça c'était dégueu.
Ça c'était écrit sur son visage que c'était dégueu. Bah, il va essayer de me trade, il va essayer de tout mettre, et là vous partez, il va se faire ulti, et il meurt pas parce que c'est heal. J'ai raté mon Q-spell, je suis nul, et on a pas de chat, et arrête, je vais mourir. Quoi? Quoi mon ami? Ah, je pensais prendre l'élastite. Et on prend l'élastite, et on prend l'élastite. Back. Non, tu fais quoi? Back maintenant! Je pense que c'est trop tard. Je pense que ça passe. T'as passé? Et putain! Bon, il est débile. Quand vous voyez qu'il y a des SS. Deux solutions entre vous. Alors, attends, deux solutions entre vous. Vous avez le choix Zira, qui va se faire découper sur le, sous la tourelle parce que Zira n'aime pas follow et qu'il follow 10 ans après. Sauf si, voilà. Sauf si la Kay est dégueu et du coup elle engage pas et du coup elle va mourir parce qu'elle se fait route et là elle va tout prendre, ça va être la merde pour elle. Elle va se faire taunt dans quelques secondes. Elle a flash à vous. Elle a la chasse, la de la chatte. Surtout qu'elle avait flash en fait. Et ouais bref. Donc vous avez deux choix, soit vous backez, comme moi j'ai fait, même si j'avais back un peu avant de l'avoir du coup voilà. Mais comme Zira aurait dû faire. Soit donc vous restez, vous faites découper parce que votre team ne suit pas du tout. Là ça fait, c'est pas ce qui s'est passé hein, si on avait, s'il n'y avait pas eu le backup 10 ans après de la Midnight. Do you get pushed? Mais oui putain. Mais dis où? Apparemment, il se passe des bails au-dessus de moi. Oui d'accord, par contre là ça va être la merde. Ça va pas être très bon pour moi, bah là faut mettre tous mes dégâts. Hein. Là c'est exaucé tout, là je peux mettre tous mes dégâts, je pouvais pas m'en sortir. Je ne pouvais pas... Qu'est-ce qu'ils ont focus? Alors ça c'est le double, non? C'était le double. Alors ils ont focus. Le double de Shaco, Tariq, c'est tout. Ah j'arrive quand même à avoir un quai. C'est dégueu hein. C'est un peu ma faute. J'avoue. J'ai de la chine, j'aurais pas dit. C'est pour ça que j'avais une team. L'un de Hades qui va bientôt être là. D'ailleurs quand vous faites l'un... Ah nice. Nice. Nice, le focus Tariq. Bon, moi, ils l'ont vu, c'est déjà ça. Nice, c'est ma Zira qui l'est. Nice. Là, on dit nice parce qu'on sait que la Zira, même si elle est pas dingo, elle est plus forte que la Zira. Du coup, on lui... Oh putain, elle était 3 kills. J'ai pas vu. Oh putain. Eh, j'ai dû farm un peu. Ah non, pas du tout. Donc oui, pour monter à l'arme de la DS, vous mettez des Q-spells depuis la base, etc. Pas des petits sorts. Alors, le E moyen, parce que ça coûte cher quand même par rapport au Q-spell, non? Ouais ça coûte 50 de plus. Ça sort tout bouge de CD. Après bon le temps de traverser toute la map, vous avez le temps. Mais voilà. Moi je préfère faire des petits Q que faire des petits Z. Oh c'est touché. Bon, c'était pas ouf. Putain mais il est encore là lui. Dash s'il te plaît. Dash. C'est trop tard pour dash maintenant. Dash. Bon faut que j'arrête de crever, ça fait 3 morts d'affilée, c'est un peu con, j'étais bien au début. Je fais un peu n'importe quoi, je rate plein de la site en fait. Faites dites-vous qu'à chaque fois que vous mourrez, en plus de donner un kill, je vois vous la bronze 5 est à 6-0-1. Et oui c'est une bronze 5 parce qu'elle a que 100 de ferme. Ce qui est pas ouf. Même si bon c'est vrai qu'Akakali avait pas grande chance de farm sur sa lane avec contre Azir. Ah Azira va avoir du mal. Ah j'ai pas l'ulti, je voulais l'ulti mais apparemment ça sera compliqué. C'est compliqué mec là. Faut que tu run la grosse gueule. Pas pouvoir t'aider, il va me grab. Attends, je me suis encore suicidé, c'est chiant. Arrête. Arrête, tu t'amuses pas. Non pas t'as pas l'ulti je sais, je l'ai vu. Eh? Eh Darius? Eh? Eh oh? Attends, il y a quelqu'un là. Ah la pute! Il m'a fait un face en mode Supreme motherfucker. J'ai trop peur. Ah j'ai trop peur. Ah. Oh le screamer. On va lui dire. Quelqu'un comme ça? Pas du tout. J'ai pas eu l'assist? Non. Qu'est-ce que j'allais dire sinon? Ouais, non, ouais, Darius a disparu.
En même temps, il fait un peu du 2-6. Non mais mec, tu m'as fait peur. Tu commences pas à dire machin machin, je suis déçu, je t'ai pas eu. Non, non. Ah, voilà, Masdirak est d'accord avec moi, faut pas me tuer. Et c'est quoi? Les poissons sont nos amis, on n'y touche pas. Et Ezreal de glace. Poisson, glace. La glace pilée qu'on met en dessous des poissons. Par contre, il y a SS Varus depuis un moment. En même temps, je suis mort 4 fois d'affilée du coup. Non, 3 fois d'affilée et une fois j'ai du back direct. Du coup, bon, il y a un moment où... Il y a un moment où je fais des dégâts ou pas? Non, mais non, c'est chiant en fait. Ça, c'est pour moi. Elle a bien tempo. Elle a bien tempo, mais je pourrais pas trop aider. Ouais. Dommage, elle a bien tempo. Là, je me casse, hein. Là, je me casse. Parce que là, je me casse, en fait. Parce que là... Non, je peux tenir s'il n'y a pas Akali. Mais en fait, elle est tellement faite. Non, mais du coup, faut que je reste. Mais c'est chiant, en fait. Parce que là, en fait, si Akali était resté... Bon, du coup, j'ai un peu merdé. Mais si Akali était resté, fallait partir, hein, les mecs. Hein. Ah, tout le monde est parti, t'as pas eu ta tour à cause de ça... Oui... écoute-nous... Voilà. Chaque fois que je follow ma team, je meurs. Moi, je pense que faut faire sa game de son côté. Et faut pas... voilà, hein. Faut pas faire son cœur de mouche, comme dirait Zerator. Il faut rester... Oh, nice TP. Il faut rester comme on pense, et puis voilà. Venez comme vous êtes sur League of Legends, cassez pas les balls. Ouais, ouais, cassez pas les balls. Ah, ça va, je serai moins, je trouve. Je sais pas. TP Darius, je crois que j'en ai déjà parlé sur toutes mes vidéos environ. Vous avez une minute de plus si vous TPT. Si vous utilisez votre téléportation. C'est des termes un peu plus... Je n'arrive plus à parler. Si vous utilisez téléportation sur un sbire, vous avez une minute de plus que si c'était sur un sur une tour. Donc, oh putain, mais encore là, elle. Ah, plus de flash. Tu sois trop loin, tu mourras pas. Tu cours vite. Arrête. Tu cours plus vite que moi. Salope, salope. Non, t'amuses pas. Oh putain, Akali, elle casse les couilles, mec. Non, non, elle est là-bas, j'ai pas vu. Dommage, c'est le double. Casse-toi, hein. Parce que t'attends là-bas, mais je veux pas trop t'aider, en fait. Hein. Akali me défonce. Faut pas trop le fier, Tariq. C'est gay, mais ça va pas non plus la tankiner jusqu'à l'infini. Guys, killing me, everyone is bot, mid on jungle. Bah ouais, bah ils push, hein. Push comme ils peuvent. Oh putain. Non. On va juste farm, hein. Ils m'auraient vu, ils auraient backé avant de poisson. Ouais, la raison, Zira. Quand vous voyez que tout le monde est au bot, ou tout le monde est à l'opposé de vous, ou... plutôt à l'opposé de vous. Genre par exemple, là le top, et il l'a fait, je sais pas s'il l'a fait au moment pile poil où il les a vu, où il a vu que c'était un peu la merde de bot, mais... En tout cas... N'hésitez pas à push as fuck en fait. Si vous voyez qu'ils sont tous... Oh, j'ai niqué la game. Putain, j'arrive à tout. Si vous voyez qu'ils sont tous sur une lane, y a pas tortille du cul pour chez droit, vous pushez. Voilà, hein. Là, j'ai fini ça, ouais, depuis longtemps. On va finir ça. J'avais une BF, c'est con. Pas grave, ça faut le finir, ça fait trop mal la malade. Bon, tu vas me faire du mana maintenant. Problème de mana mune. Excusez-moi. C'est qu'il faut du mana. C'est vrai qu'on peut... On va perdre, hein, c'est pas grave. T'as rien, 10-0 quoi. Là, par contre, elle a gagné que 4 de farm quoi. Elle a gagné autant de creep que de farm quoi là. Elle s'est dit... Non. On va pas trop, hein. J'ai pris des kills. J'ai pas non plus prendre du farm. Elle a gagné 4 creep et 4... Oh, je l'aurais pas eu. La raison de le prendre, je l'avais pas. c'est quand même chaud quoi. Ah 5, ça y est, il a pris un farm en plus, grâce au targon de lui j'imagine. Attention. Bref. C'est encore 4 bots, hein. C'est vraiment plaisant. Ça c'est... N'hésitez pas à activer la mana main pour faire plus de dégâts sur le Pokiness.
Ah non, pas sur les creeps. Sur les creeps, vous perdez un peu de dégâts. Vous perdez surtout du mana, en fait. Plus vous perdez de mana, et plus c'est chiant, en fait. Non, normalement, je les ai tous. Voilà. Voilà. L'ami. Voilà, on va commencer à faire mal. Hop, un peu d'Achille, maintenant. On peut manquer un peu de respect aux gens, tu vois. Bon, s'il faut l'assist. Oh, la pute. Ah, putain, elle m'a perdu. Un peu simple ce jeu par contre, hein. S'il pouvait ajouter un petit peu de difficulté, ça serait mieux. Putain, je l'aurais pissé dessus quoi. Bon, voilà, hein. Partir de la trinité de Muramana Moon, on commence vite à avoir des dégâts. Tiens, Muramana, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la bouche tout le temps, si quelqu'un sait... Enfin, si vous savez ce que c'est la Muramana. Peut-être que c'est la Mana Moon en anglais, non? Bref, si quelqu'un sait pourquoi je pense toujours à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me trotte un peu toujours dans la tête. Allez, il faudrait qu'on finisse vite, je vois trop le temps. Allez, allez, toujours pas push moi. Tant que votre tour n'est pas prise de... sur votre lane, je vous déconseille de décaler avec la DC, avec la bot lane. Toi. En fait là ça va. Ouais, je préfère avoir là-dessus. Comme je sais que je peux pas rester longtemps parce que Chaco et tout ça qui redescend. Et Chaco, j'ai pas fait exprès. Si Chaco vient, je pense qu'il me tue en 6-3. Chaco, ça fait des dégâts quand même. Ça fait certains dégâts. Mais il est top. J'aurais pu continuer à push. Le S a l'air pas trop dégueu. Tout dommage que notre Azir soit nul. C'est un peu con parce qu'on voit... Enfin, non, il est peut-être pas nul, mais en tout cas, c'est un peu fait rave sur sa lane. Du coup, c'est un peu compliqué avec la... La Kali. Après, c'est QL le problème, quoi. Quand vous voyez les kills, Chaco, c'est clairement pas un souci en late game. Enfin, ça dépend quel Chaco, je connais les Chaco forts en late game. Très peu quand même. Du coup, il n'y a que la Kali qui va causer, qui a posé problème. Si on arrive à l'outfight, si on l'exhauste, si on quoi que ce soit dessus, qu'on la focus un peu, il y a moyen de la one shot, il y a moyen de la... Il y a moyen de la... Pas de la mettre au fond, quoi. La qualité comme ça, faut la foutre au fond. Alors, tout à... Ah oui, nice. Putain, il est bon, le... par rapport à lui, clairement, le Rex fait des meilleurs TP. Alors, le Rex a TP top, parce que ça pushait. Du coup, bah, il peut aider à push. 2-2, il a TP sur le creep qui était qui tankait la tour. Du coup, il peut pas mourir, parce qu'un creep qui se fait TP, enfin, où il y a une TP dessus, il peut pas crever. Donc, deuxième chose à savoir. Troisième chose à savoir, rien, c'était pas dégueu ce qu'il a fait, c'était vraiment bien. Ah, dommage, je l'ai pas eu. Mon Q-spell l'a touché. Je me suis fait KS, mais il y avait moyen de faire un quadruplé. Hein. Ouais, c'est vraiment pété, hein, la Muramana, Trinité, ça fait pas mal. Et vous voyez que là, la Kali, elle vaut 0 gold. Pourquoi elle a voulu que si peu de gold? Pas compris. Hein. Vous avez que 200 gold. Alors qu'elle était sûrement en série. Et je sais pas si ça marche encore, j'ai pas vérifié, mais vous pouvez E dans votre Z. C'est-à-dire quand vous faites E, voilà c'est ça. Dans votre Z, et du coup vous gagnez plus de stack de vitesse d'attaque. C'est à chaque fois que vous mettez un sort qui touche, ou sur un ennemi, ou sur bah sur vous du coup. Non mais on s'en fout de ça en fait, non, on fout pas. Bon, d'accord, je vous follow. Non ça va. Ah super, c'était nice. C'était nice. Donc du coup, chaque fois que vous mettez un sort... Ah ça freeze as fuck. Bon. Chaque fois que vous mettez un sort, je sais plus ce que j'allais dire, donc sur un ennemi, sur un creep, du coup un ennemi, ou sur un allié, je sais pas si le Q-spell marche, vous allez augmenter votre vitesse d'attaque. Et si vous faites ça sur... Enfin, vous pouvez faire ça sur vous-même, en fait. Si vous faites le Z, qui touche pas les creeps, du coup ça marche pas sur les creeps. Super. Si vous faites ça sur... Enfin, vous pouvez faire sur vous-même, quoi. Là, j'y vais pas parce que j'ai pas de mana et j'ai de la thune, du coup ça sert à rien de fight. Avec 3000 de thune, vous fightez pas. Clairement, vous fightez pas. On va dépêcher plus vite. Je m'éparpille un peu, mais voilà. Là, faut faire. Enfin, faut prendre un peu les creeps. Avec Ezreal, parce qu'en fait, le but, c'était quand même de savoir comment on peut jouer Ezreal. Je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à farm. Surtout monter l'alarme de Hades. En fait, pour moi, et les gens diront ce que vous voulez, enfin, ce qu'ils veulent dans leur game,
Le Varus, ça décale beaucoup trop tôt. Enfin, en fait, si vous êtes réel, vous pouvez pas décaler comme a fait le Varus. Le Varus, à partir de je sais pas combien de minutes, mais en tout cas, on l'a pas vu depuis longtemps sur la ligne. Parce qu'au pire, voilà, il avait son IE, et vous voyez qu'il était un peu pas très bien sur sa phase de lane, etc. Je sais pas si c'est ouf, ça. Bref, on voyait qu'il était pas très bien sur sa phase de lane, etc. Du coup, il a décalé. Avec Ez, montez votre larme de la DS à fond. Et enfin, en fait, à partir de Trinité Manamune, décalé. Enfin, vous pouvez décaler, mais avant, je pense que ça sert vraiment à rien. Vous avez zéro dégâts. Pardon. Vous avez zéro dégâts et de toute façon ça va servir à rien en fait. Et même si votre team dit tu décales pas alors que ta botlane est à décaler, tu t'en bats les couilles en fait. Hein. Parce que pense ta team en fait tu te le mets au fond des fesses en fait. Je fais vraiment mal. Hein. On dirait pas mais je fais vraiment mal. On dirait pas mais ça fait vraiment mal ce perso. Ah, par contre conclu je risque de faire un peu moins mal. Vous avez activé vite fait votre mana mule. Ouh, il est chaud. Pour moi la hitbox a passé. Vous la réactivez. Vous mettez des dégâts, il va essayer de grab. Vous le poke, vous le kitez, vous reculez quand il avance. Et puis du coup vous gardez. Ah nice, en surène. Vous gardez une distance constante sur votre adversaire. Ce qui. Bah déjà là il ne pouvait pas grab parce que c'est trop loin. Et du coup bah comme ça un cac. Bah il juste était jambon en fait. Un petit peu jambon fromage. Non pas du tout. Voilà. Putain j'ai gagné. Bon en même temps j'étais contre des merdes. Enfin, sur le script, c'était nul. Mais voilà. Du coup, je reviens pour l'outro. Et je reviens. Et voilà. Pff, ciao. Enfin. Oh putain j'en ai marre. Voilà, donc là, Kali qui flame sa bot lane et sa top lane, bon. Enfin, certes, elle avait des kills, mais elle a fait des mauvaises décas, je pense. Bye, sup, rose. Bye, guardian. Qu'est-ce que j'allais dire? À mon avis, elle a pas fait de super décals, et du coup, c'était nul. Un toxic player. Ah, ah du coup il porte. Je déteste les mecs qui disent machin. En fait, c'est compliqué dans League of Legends, c'est de savoir quand les mecs en face mentent. C'est-à-dire que quand vous allez arriver. Enfin bon, là c'est de la merde ce que je vous dis, mais ça s'en fout. quand vous allez arriver sur une game, etc., il y a des mecs qui vont dire c'était lock, machin, report. Excusez-moi, je la mets à sa place parce que clairement elle était nulle. Bref, on s'en fout de ce qu'elle dit. Donc du coup, oui, donc Instalock machin, report, etc. En fait, vous savez pas si c'est vrai, peut-être que c'est lui qui a Instalock ou peut-être qu'il veut juste faire report pour rien. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends les mecs qui disent qu'ils sont toxiques, genre là, un de fucking toxic player, et je les report. Voilà. Sinon, dans la game, on voit qu'on était premier en dégâts de la team, je pense, qu'à quel... Voilà. Je pensais qu'Akali était au-dessus, mais peut-être pas du tout. Elle était vraiment pas dingue. Elle a pris quoi comme stuff? Your Ez Pokoni. Ouais, on a vu ce que ça donnait sur la vidéo. Come to see my video. I tried, but... Bref. Oui, elle a pas beaucoup de tu... En fait, elle a beau avoir des milliards de kills. Ez is very noob champ. Ok. Ok, bronze 5. Go bed. Bref. Donc, elle a beau avoir 2 kills de plus que moi. Bon, ok, j'ai 5 à 6 de plus. Elle a moins de thunes que... Elle a 4K de moins que moi, parce qu'elle a 150... elle a 150 clips de moins. 150 clips de moins, donc j'ai plus de double. Ça fait... Je sais pas.
J'ai la peine de calculer. Mais je pense que ça fait environ 4000 gold. Ouais, 4000 gold, je pense, donc c'est une trinité. Enfin, un peu moins, un peu plus d'une trinité. Et franchement, c'est vraiment important de farm. Même si vous êtes un assassin, vous voyez que là, elle aurait pu... En fait, si elle avait 200 gold, ce qui est pas dégueu, ou à peu près pareil que... Oui, en fait, le Azir est beau être mort plus de fois, a beau avoir moins de kit qu'elle, quelques est en plus, et il a plus de thunes. Il a 1000 de plus, c'est pas énorme 1000, mais 1000 de plus, ça peut toujours faire la différence en fight, hein. C'est toujours ça qui fait la différence, c'est la thune qu'il y a dans d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, je vais mettre un petit honneur à Oho Cookie qui était rigolo, et Tsuna Kalafloke qui m'a fait vraiment peur. J'ai un adversaire honorable de Oula Kalafloke qui m'a fait vraiment peur. Qu'est-ce que j'allais voir? Oui, ici, la thune. Dernier petit coup d'œil sur la thune. Ah, ils ont pas été au-dessus, en fait. Mais attends, mais ça, c'est à partir du moment où je suis arrivé, non? Je sais pas. Mais, ouais, on voyait qu'au début, c'était... Non, en fait. Ouais, 800 d'avance, c'est pas énorme. Mais en fait, il y a que 4 kills d'écart. Certes, il y a 4 tours d'écart. Bon, pas... 4 tours d'écart, bon, ça fait un paquet, ça fait 150 x 5 x 4. J'avoue, ça fait 150 x 20. Ça fait... 3000. 3000 gold sur les 6700. C'est-à-dire qu'il y en a 6700, non, 3700 qui viennent des kills. Il y en a 4. Lol, c'est super. Et du farm, en fait. Vous voyez que là, en farm, j'étais un tout petit peu... Je pensais j'étais beaucoup plus au-dessus de Varus, mais vous voyez, j'ai 500... enfin, 50 de plus. Bref, ça commence à devenir chiant comme vidéo, mais c'est important de farm. Je pense qu'avec... Donc, je vous ai dit avec Ezreal, c'est important de rester sur sa lane, d'essayer de poke pour essayer de gagner un petit peu, de gratter un peu les PV pour empêcher de d'engage, en fait. En fait, vous pouvez pas forcément tuer avec Ezreal en early, mais vous pouvez poke, ce qui empêche l'adversaire d'engage. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, c'est vrai, mais si vous mettez des TQSP et tout sur l'ADC, si le support go, l'ADC n'a pas de vie. Si l'ADC n'a pas de vie, il se fait défoncer. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pokes, ratez pas trop de farm. Si vous jouez mana mune, ça fait beaucoup de dégâts. On a vu dès que j'ai eu la mana mune, ils ont pris tellement à la douille. J'ai eu beaucoup de kills là-dessus. D'un coup, bon, en fait, ça va rien. Enfin, vous voyez que Lio, je l'ai eu presque instantané parce qu'au final, la mana mune, ça va donner tellement de gold. Parce que je voulais des kills. Donc, voilà. Donc, je taquais la mana mune. N'hésitez pas, surtout, à bien rape les gens. Et voilà, farmer avec le cul. Vous voyez que j'ai perdu un petit peu à en early parce que j'ai dû conseiller du farm. Le mec en face a mal farm, mais même s'il avait bien farm, on voyait que de toute façon, je serais monté. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto S vous aura fait plaisir. Toi aussi, Sky Titom, dont j'avais oublié le nom. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein, on fait ça. Et puis, sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout ça que j'aime. Enfin, j'aime beaucoup en fait quand vous commentez, même si j'ai pas beaucoup de commentaires, j'aime beaucoup regarder les commentaires. Il y en a certains qui me font rire. Alors, il y en a pas beaucoup, mais il y a pas beaucoup de commentaires, mais j'arrive quand même à faire rire. Et ça me fait plaisir quand vous me demandez des trucs, parce que ça montre que je suis... Déjà que vous avez suivi, que vous avez aimé, et qu'en plus, bah voilà, vous adhérez bien, et que vous m'aimez bien. Donc ça fait plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ça sera pas tout de suite, peut-être... Ouais, j'essaierai de me mettre une vidéo dans pas trop longtemps. Peut-être là dans 2 semaines. On verra ça. Moi je vous dis bise, je vous fais une bise à tous et puis ciao.